Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois d'août 2022. Ce tirage prédictif vise à voir un petit peu l'évolution de votre carrière sur ce mois d'août. Il s'inscrit dans celui plus long que j'ai pu réaliser sur la saison de l'été. Donc là, on va voir un focus sur le mois d'août. Pour ça, je vais utiliser tout d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quel est l'arcane majeur qui symbolise le mieux votre vie professionnelle en ce mois d'août 2022, les Vierges. Vierges au niveau pro, quel est l'arcane majeur du tarot qui symbolise le mieux la situation professionnelle des Vierges? Hop, là, ça sort pas. Allez. Et l'arcane majeur pour les Vierges. Voilà, ça j'aime bien. Alors, il y en a deux. Je vais ramasser. Alors, on a la maison Dieu et l'étoile. La maison Dieu, c'est un événement soudain qui va vous bousculer dans vos habitudes, dans ce que vous aviez prévu. Un changement inattendu. Mais c'est pour quelque chose d'extraordinaire, de très positif, puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc, ok, ça bouscule, ça comment dire? Dans le sens où on ne s'y attend pas, on n'avait pas prévu ça, on ne s'était pas organisé par rapport à ça. Mais avec la carte de l'étoile, on voit que c'est une chance qui a beaucoup de prospérité derrière ça. Si vous voulez, ça peut être quelque chose de très bénéfique pour la suite. Parce que l'étoile, c'est très prometteur de prospérité, du fait que... voyez, il y a des bonnes nouvelles professionnelles et ça va permettre de faire se développer un projet et d'avoir une vision à plus long terme. Donc, très, très positif. Alors, là, je vais faire ça comme ça. Les Vierges, là. Et je vais utiliser à présent deux oracles et un tarot. Et je commence tout d'abord par l'oracle botanique des divinités. Pour vous, les Vierges. Allez, sur le mois d'août 2022. Donc, une bonne surprise, une bonne nouvelle. Qui, déjà, ça, c'est très profitable parce qu'on sent que ça pose des bases pour la suite en termes de prospérité. Ça va être très, très fertile à partir du mois d'août, du coup. Mais on se demande de quoi, là, parce qu'avec la maison Dieu, c'est inattendu. Allez, pour les Vierges, août 2022, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte révélation, voilà. Alors, il y a une super bonne nouvelle pour vous. Cette révélation agit ici comme la maison Dieu. Vous n'en revenez pas de ce qui vous est dit. Et ça va vous être utile, cette information, cette nouvelle donne va être très, très profitable. Allez, 5 cartes pour les Vierges pour voir l'évolution sur le mois d'août 2022 au niveau professionnel. Alors, on a ingéniosité. Ingéniosité, pour commencer, ça veut dire que vous allez faire preuve d'intelligence, d'idées lumineuses. Vous aurez, en fait, la capacité, si vous voulez, à être innovant, à trouver des solutions, vous voyez, trouver des pistes. On sent que vous êtes astucieux. Débrouillard, voyez, et ça va être bien parce que déjà vous avez de nature un esprit pratique et on voit ici que associé à l'intelligence et puis l'espoir que donne la carte de l'étoile, etc., ça va faire un bon mélange. On a ensuite culpabilité. Changement, ouais. Ça, c'est la nouvelle qui fait qu'il y a quelque chose à partir de cette nouvelle
de cet événement soudain, il y a quelque chose qui va entraîner un changement. Bon, alors, j'analyse la carte culpabilité d'abord, puisque c'est celle qui vient juste après ingéniosité. Avec la carte culpabilité, on a la sensation que vous devez faire preuve de compassion envers vous-même et d'accepter, de vous accepter. Peut-être au lieu de vous incriminer et de dire oh, j'y suis pas arrivée, j'aurais préféré faire plus, etc. Enfin, voyez, au lieu d'être dans la culpabilité, l'autopunition, il vaut mieux réussir à faire preuve de compassion avec vous-même et de vous accepter. Je crois que vous avez eu peut-être un certain nombre d'ambitions que vous n'avez peut-être pas pu réaliser et vous vous en voulez de ne pas avoir atteint peut-être l'objectif que vous aviez souhaité. Mais regardez, il y a la carte bénédiction qui vient ensuite et la carte paix. Donc écoutez, entre ici qu'on avait la révélation, la bénédiction, voyez, il y a quand même... Cette révélation entraîne un changement. Sur la carte bénédiction qui suit, eh bien, on voit que c'est très, très profitable. Ça me fait penser vraiment la bénédiction ici à la carte de l'étoile. Hein. Ça va signifier pour vous que... Enfin, moi, il me semble qu'il y a une chance qui vous est offerte, une opportunité qu'il va falloir saisir. Bénédiction, c'est en même temps la chance, c'est ce que dit l'étoile déjà, c'est en même temps la protection, donc ça confirme l'étoile, et c'est aussi que vous allez trouver une solution. Je crois que ingéniosité, bénédiction, j'ai l'impression que vous trouvez une solution qui vous met en paix avec vous-même et vous en sortez de cette culpabilité-là et de vous auto-flageller. Il y a peut-être une problématique là qui est la vôtre et vous ne savez pas comment faire. Et je crois que la solution va vous venir soudainement. Et ce n'est pas forcément le résultat d'un cheminement personnel. Je crois qu'il y a aussi un événement extérieur qui participe à cette nouvelle compréhension des choses. Allez, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les Vierges, sur le mois d'août 2022 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges? Vierge au niveau pro. En août 2022, l'évolution de la situation professionnelle des Vierges. Alors, on a tableau de visualisation. Ici, l'ingéniosité, cette intelligence, cette ruse, cette habileté que vous avez intellectuelle aussi, eh bien, j'ai l'impression que vous allez être en mesure d'envisager la suite, d'envisager l'objectif et de... Enfin, vous voyez, on s'imagine. Et en fait, on a le tableau de visualisation, ça veut dire que on sait comment on aimerait que ça soit. Le truc, c'est les moyens pour y arriver. Mais vous savez ce que vous voulez au fond. Alors, l'évolution de la situation professionnelle des Vierges sur le mois d'août 2022. Média, prospérité. Je pense que ici, il y a quelque chose qui est médiatisé, donc vous avez une meilleure visibilité, peut-être être connu, reconnu à travers les réseaux sociaux par exemple, ou en tout cas quelqu'un qui vous fait une bonne pub. Et ça entraîne l'abondance, la prospérité, la réussite, l'accroissement les résultats qui montent en flèche. Discours et conférences sur changement. Je pense que vous aurez une meilleure visibilité. Et voyez, sur discours et conférences, on a l'impression que vous faites autorité, comme tel le maître de conférence. Dans son domaine, il est spécialiste et il s'adresse à tous. Et la parole qu'il dit est considérée comme une parole scientifique, recherchée, etc. Donc, on fait autorité dans son domaine. Bonne nouvelle sur bénédiction. On ne pouvait pas faire mieux. Qu'est-ce qui va se passer en août ? Il y a quelque chose que vous avez rêvé qui se réalise enfin.
et de manière inattendue. Et la paix et lâcher prise, j'ai l'impression que c'est vraiment un grand, grand, grand soulagement. La paix, c'est à la fois la paix intérieure que vous allez pouvoir ressentir, et toutes les stratégies aussi que vous avez mises en place avec l'ingéniosité, voyez, les tactiques que vous avez mises en place qui vont enfin porter leurs fruits là. Et ça va, vous allez pouvoir un peu relâcher la garde. J'ai l'impression parce que jusque-là, vous étiez vraiment dans la volonté de d'y parvenir avec combativité, méthode, organisation, voyez. Et là, on voit que vous pouvez à présent et enfin lâcher prise. Donc c'est très positif. Allez, je poursuis pour vous les Vierges en août 2022 au niveau professionnel avec l'ancien tarot italien. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Vierges? On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'accélération des choses. C'est les choses qui se précipitent, qui arrivent en même temps. Et là, voyez, cette tour, elle s'effondre sous l'effet de la foudre. Donc, c'est quelque chose d'assez inattendu, foudroyant, qui va procurer là et entraîner ce fameux changement dont on parle depuis le début. Changement qui est source d'abondance, de prospérité, qui va vous donner sécurité et protection pour la suite. Allez, pour les Vierges, août 2022 au niveau pro. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je pense que ici, sur la carte ingéniosité, c'est que vous allez peut-être faire d'une manière différente. Avec le 6 d'épée, on dirait que intellectuellement, vous allez penser autrement. Vous lâchez des anciens schémas de fonctionnement au niveau professionnel. C'est-à-dire que ici, on a l'impression qu'on est plus en mesure d'optimiser les choses. Et si on arrive mieux à les optimiser et qu'elles fonctionnent de manière plus efficace, eh bien c'est parce qu'on a recours à une nouvelle façon de procéder, notamment une médiatisation nouvelle. Alors, cette médiatisation nouvelle, c'est peut-être vous qui la mettez en place, mais ça peut faire partie de cette maison Dieu-là, tout d'un coup, une meilleure visibilité sur, voilà, sur le net. Ça, c'est possible. Là, on voit que vous allez vraiment passer à l'étape suivante, une étape qui est plus vraiment abondante. Et je pense que c'est vraiment la fin du stress. Vous voyez, on a le cavalier de bâton et l'empereur. Le cavalier de bâton, avec la prospérité, eh bien, ça indique quand même qu'on avance de manière très passionnée. On fait les choses vraiment avec goût. On se donne à fond. Il y a l'idée de vraiment foncer. Et je crois que ça va vous encourager, cette prospérité et ces retombées positives. Ça va vous encourager pour la suite. Parce qu'en fait, vous proposez des solutions nouvelles. C'est lié avec la carte ingéniosité. Vous innovez et vous êtes très créatif. Donc, vous allez pouvoir, à partir de vous-même, de votre propre compétence, de vos propres talents, voilà, dégager quelque chose, une plus-value, une valeur ajoutée, vraiment. Avec l'impérateur, j'allais le dire en italien, avec l'empereur, eh bien, on a l'impression que là, c'est très carré, que vous pouvez à présent concrétiser quelque chose. Voyez, sur discours et conférences, je parlais du maître de conférence. Et là, on a l'empereur. Il y a quand même une figure, vous ferez figure d'autorité dans ce que vous faites. Vous êtes... Il y a plus la notion d'expertise, de confiance, de solidité des compétences, de personne de référence, vous voyez. Il y a une sécurité là aussi au niveau matériel avec la carte de l'empereur.
On a ici le 4 de coupe et le 8 de coupe. Alors là, on est plus dans l'émotionnel. Je pense que c'est la conséquence de tous ces événements, de ces bonnes nouvelles-là, ce que ça entraîne au niveau émotionnel. Eh bien, avec le 4 de coupe, c'est, voyez, à nouveau un 4 comme l'est l'empereur. Eh bien, on a un sentiment d'appartenance très sécurisant. Il y a un sentiment d'être en sécurité. Et voyez, c'est à la fois vous avez trouvé le côté passionnant de la situation professionnelle que vous vivez, et en même temps, vous êtes tranquillisé. C'est aussi pour ça qu'on a la carte du lâcher prise, parce que il y a l'idée que maintenant on va pouvoir souffler, alors que là on s'est toujours posé des questions, remis en question, et maintenant enfin on est calme, plus serein. Là on voit que avec le 8 de coupe, eh bien c'est un changement, peut-être de perspective, d'emploi. Il y a une ouverture qui est ici possible. C'est comme si vous aviez trouver une nouvelle voie professionnelle, ou en tout cas, si c'est pas vraiment dans le concret une nouvelle voie, c'est que au niveau du cœur, vous êtes un peu régénéré et ressourcé parce qu'il y a des perspectives nouvelles. Et là, vous savez que on est dans la stabilité et que ça va aller tout seul. J'ai l'impression que vous laissez maintenant porter par les choses parce que vous avez envie de voir où vos émotions vous emmènent quelque part, et vous êtes moins dans l'idée de contrôler et dans la culpabilité. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous, les vierges. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir comment ça vous a parlé. Et puis si vous partagez, vous likez, vous commentez la vidéo, c'est pas grand-chose pour vous, c'est beaucoup pour moi, ça m'encourage, ça me donne une meilleure visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci. Au revoir.